Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Ici on tricote. Aujourd'hui, nous allons faire le point de résille. Voyez? Alors, c'est super si vous faites pour l'été un débardeur, même une couverture pour bébé, c'est super sympa. C'est vraiment joli, de la layette. Voilà, c'est simple à faire, mais vraiment, vraiment très simple. Alors, c'est un point qui se fait sur un multiple de 3. Mais par contre, si vous faites un essai, faites au moins 6 mailles. Hein. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, moi, j'ai commencé. J'ai fait 15 mailles. Et j'ai déjà fait les 4 rangs pour vous faire voir déjà ce que ça peut faire quand on en aura fait d'autres un peu. Voilà. Le premier rang, on fait 2 mailles en droit. 1, 2, 1 jeté, on glisse une maille et on tricote 2 mailles, 1 et 2. Et la maille que vous avez glissée, celle-là, 1, 2, la troisième, on la passe par-dessus. On fait un jeté, on glisse une maille et on compte 1 et 2. Et on passe la troisième par-dessus. Un jeté, on glisse une maille. 1 et 2. On passe la troisième par-dessus. On fait un jeté, on glisse une maille et on compte 1, 2. Et on passe la troisième par-dessus. Et on finit par une maille en droit. Le deuxième, tout à l'envers. Le troisième, alors pour faites attention qu'il y ait bien le bon nombre de mailles. Hein. Si vous n'êtes pas trop sûr, comptez vos mailles pour être sûr d'avoir le nombre. Moi j'en ai 15, donc il faut en avoir 15 quand on arrive à celui-là. Alors on fait le troisième, une maille en droit, on décale. Vous faites une maille glissée et on compte. 2, on passe la troisième, c'est-à-dire la maille glissée par-dessus. Et là, on fait un jeté. Une maille glissée. 1, 2. On passe la maille par-dessus. Un jeté. On fait la maille glissée. 1, 2. On passe la maille par-dessus. Un jeté, une maille glissée, 1, 2. On passe la maille par-dessus. Et on finit par 2 mailles en droit. Ah, pardon. Il faut faire un jeté et 2 mailles en droit. Et là, normalement, vous avez votre nombre de mailles. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et le dernier, eh ben, tout à l'envers. Tous vos rangs pairs, vous les ferez à l'envers. C'est-à-dire 2, 4, 6, 8, 10, 12, voilà.
Et voilà. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un j'aime. Abonnez-vous pour ne rien louper et cliquez sur la cloche pour être informé des dernières vidéos.